Et salut tout le monde, c'est Trimano et on est parti aujourd'hui pour le bois de fer de la semaine, les caprices du hasard. Donc une rencontre à la croisée sous une tempête de mana. Choisissez une classe et obtenez des cartes aléatoires et à chaque tour, le coût des cartes est aussi aléatoire. Donc c'est parti pour ce bras de fer, nous allons jouer démoniste. Donc en bref, pour ce bras de fer, on va jouer une classe et les cartes que l'on va piocher seront aléatoires. Donc c'est pas nous qui faisons le deck, on ne sait pas du tout à quoi on peut s'attendre. Et en plus, elles changent à chaque partie et à chaque tour, leur coût en mana change, ce qui peut faire des situations assez drôles. Donc là, on est contre un chaman. Hop. Donc là, comme vous le voyez, on a des cartes qui n'ont pas trop de synergie ensemble. Donc Illidan et Infernal de l'effroi et un nombre de flammes. Donc là, je vais rien garder. Je vais essayer d'avoir des cartes avec un coût en mana plus bas. Hop, très bien. Maixna, Yeti et le Diablotin. Donc ça me va. Donc là, comme vous le voyez, les cartes d'avoir un coût en mana changé. Et ça va être pendant tout le combat, du coup. Et à chaque tour, ça va changer. Si je dis pas de bêtises, le coût en mana peut être plus grand que celui de base. Aussi, il n'est pas que diminué. Hop, donc que va nous jouer Bible la montagne? Hop, rien, très bien. Oh, Wilfried Flockboom. Donc, ouais, on va jouer ça. Et Yeti, le roi, et on tape dans la tête. Donc Wilfried Flockboom, une légendaire démoniste qui fait que les cartes qu'on pioche avec les pouvoirs héroïques coûtent 0. Ce qui va nous donner, si toutefois elle reste en vie, un card advantage excellent. Mais elle ne reste pas en vie, ce qui est bien dommage. Donc là, il pièce. Pour 2 de mana, très bien, il va tuer mon Yeti du coup. Du coup là, on va. Du coup là, on va jouer Maixna. Comme ça, je pourrais détruire tout ce qui posera sur son board le prochain tour avec Maixna. Et c'est à lui de jouer. Il a un de mana. Très bien, totem vague de mana. Donc ça, on va pouvoir le détruire avec Maixna. Nous, on va piocher avec le pouvoir héroïque, je pense. Oui, on pioche. Et on va trade du coup avec Maixna le totem vague de mana pour éviter qu'il pioche. Et on va taper dans la tête. Je vais pas poser le dragon féerique parce que s'il a une tempête de foudre, ça m'y expose pas mal. Ça me tuerait 3 de mes créatures. Pas le jouer. Hop, très bien. Donc là, à la place d'un sorcier draconien, il aura un poulet 1-1. Voilà, comme ça, l'animation est vraiment pas mal. Totem. Et du coup, très bien. Oh, du coup, un géant des mers qui coûte 0. C'est énorme. Donc là, on trade Maixna dans le totem. La succube dans la. Non, on va attendre à rentrer la succube. On va d'abord. Ok, donc là, il coûte 3. On va démolisseur puis Idle Poulet Furieux. Donc le démolisseur qui je l'ai posé pour qu'il peut-être avec un peu de chance trade l'expérimentateur gnome, vu que lui devra taper dans mon maléfice, vu qu'il est provocation. Comme il inflige 2 points de dégâts, normalement il devrait le tuer avec un peu de chance. Hop, donc là qu'est-ce qu'il va me sortir? Je pense pas qu'il puisse me gérer mon géant des mers. Enfin, j'espère pas. Pour l'instant, il le gère pas. Non, il le gère pas. C'est nickel. Hop, donc là, mon démolisseur, j'aimerais qu'il tape soit la 3-2, soit la 0-2. Ça serait le mieux pour moi. Et il tape la 0-2. C'est nickel. Très bien, point de Jaraxxus. Donc là, avec Maxna. Bon bah c'est la concession de notre adversaire. Hop, donc le bras de fer, hein, c'est un peu par rapport à la chance sur le coup. On va en refaire un parce que la première partie a pas duré bien longtemps. On va en refaire un en changeant de classe. On va jouer druide, tiens.
Pour tester. J'ai pas joué de druide sur ce bras de fer, donc on va bien voir ce que ça donne. Hop, et c'est parti. À la recherche d'un adversaire comme d'habitude. Un adversaire convenable, évidemment. Ah, et on est contre un Rexxar. Hop, très bien. Alors ça c'est parfait, c'est vraiment une très bonne main. Bon, ça c'est parfait. Hop, donc là on va garder cette main vu qu'elle est. Elle est vraiment belle comme main. Surtout contre Hunt, parce que comme ça on aura des taunts. Ce qui va nous permettre de survivre. Hop. Après du coup là je prends pas en compte. Enfin je prends en compte qu'il est une main peut-être un peu agressive, même si je ne connais pas les cartes qu'il a dans le bras de fer, vu que c'est jamais les mêmes dans le deck. Alors que va-t-il nous jouer tour 1? Alors. Ça va saigner. Très bien. Berserker Amani, ça me dérange pas spécialement. Ok, donc là je suis directement Innervation, Crash Vase, Foot 3. Hein. Je vais en priver, sachant qu'il a une 2-3 et qu'on Crash Vase à 3 d'attaque, c'est un trade gratuit. En plus, il va survivre. Le prochain tour, je ferai Druidesse de la Flamme plus Marque du Fauve. Là, je ne pourrais plus mourir. Donc, Élect du Roi, donc l'ajoute, hein, évidemment, et c'est moi qui la gagne. Du coup, il y a une Goule Mangeuse de chair, j'ai un Tigre de Strangleronce. Bon, c'est pas une mauvaise carte, le Tigre de Strangleronce. Je suis pas mécontent. Ah, bon, bah, l'expérimentateur gnome qui fait piocher un poulet, hein, comme la dernière fois. Ils ont pas de chance, mes adversaires, soit des expérimentateurs. Et non, mon ami, tu ne peux pas m'attaquer face quand j'ai une provocation sur le terrain. Non, 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 mais il peut pas. Je sais pas, il essaye de m'attaquer face. Peut-être un nouveau joueur, je ne sais pas. Je pense. Hop, très bien. Ah, racine vivante, parfait. Donc là, on va infliger 2 points de dégâts à une créature. La druidesse de la. Pièce la marque du fauve comme prévu pour tonifier et augmenter le stat de la druidesse du fauve. Et on va trade. Il faut qu'on lui laisse aucune créature sur le board. Donc là, sur notre board, on a une 4-7 et une 1-2 taunt en plus contre un hunt. Donc c'est vraiment pas mal. Hop. Donc là, on va voir ce qu'il va jouer. Là, on peut dire que je suis bien parti pour la gagne, surtout qu'en plus mon adversaire a l'air un peu débutant sur Hearthstone. Alors, que va-t-il nous jouer? Très bien, un poulet, donc ça c'est pas la plus grosse menace que l'on puisse avoir. Et pour 2 de mana, pouvoir héroïque? Très bien, pouvoir héroïque. Donc, à 28. Ah, peut-être qu'il va me jouer une autre carte pour 0 de mana. C'est à moi de jouer. Hop. Donc là, on va piocher une carte. Très bien. Recycler. Et du coup, on va jouer la druidesse du sabre. Hop. On va la mettre 1-1 et camouflage. On va trade le poulet furieux avec notre limon, enfin notre gelée, et aller dans la tête avec la druidesse de la flamme. Donc là, je m'étale un peu sur le terrain. Ce qui fait que je reste sensible à lâcher les chiens, mais je sais pas, je pense pas que dans ce bras de fer il y ait des lâcher les chiens, je pense que c'est. Vu que c'est des cartes aléatoires, je prie pour qu'il n'y ait pas de lâcher les chiens plutôt. Hop, donc ça, qu'est-ce que c'est? Un heal, très bien, amplificateur, pas mal. Oh, il a eu des taunts, dommage pour lui, parce que là j'ai des trades gratuits sur ces créatures un peu. Tous les trades sont positifs pour moi. Hop, et que vas-tu jouer pour un, mon ami? James Pond. Hop, il a pas l'air de trop savoir ce qu'il fait. Peut-être un tir des arcanes. Je ne sais point. Non, rien du tout. Très bien, donc c'est à moi. Hop, on va jouer la panthère de la jungle, un pouvoir des veaux, taper dans la 2-3 pour la trade avec le Sylvanier du Bosquet. La 2-1. Voilà, trade avec notre 1-1. La 3-2 avec la 4-7.
Ace avec la 3-2. Donc j'ai trahi la 3-2 avec la 4-7 pour garder ma 3-2 camouflage vivante. Hein. Pour rien d'autre, parce que je préfère avoir 4 créatures plutôt que 3. Hop. Même s'il y a toujours la menace du lâcher les chiens qui me pend au nez. Alors, que va-t-il jouer? Ordre de commande? Tire de cobra. Très bien. Là encore un dégât pour ma créature ou pas? Non, il a pas l'air. Bon, il joue assez bizarrement quand même, ce chasseur. Hein. On peut se le dire. Donc là, on va face hein, la créature sur le board. Donc là, j'ai pas de raison de ne pas faire attaquer toutes mes créatures, à part si dans son deck il a un géant de lave. Mais bon, la probabilité que ça arrive est assez faible. Surtout qu'il a que 3 cartes dans sa main et qu'il en reste 19 dans sa bibliothèque. Hop. Donc là, j'ai de quoi gérer une grosse menace avec le recyclage. Donc qui renvoie un serviteur sur le terrain dans son deck. Donc, par exemple, le roi crush. Hein, donc, recycler un roi crush, c'est vraiment pas mal. Même si j'aurais pu le trade directement avec ma 4-2, je préfère encore une fois garder mes créatures sur le terrain. Très bien. Petit réflexe. Donc là, je pense qu'il va aller dans la tête. Hein. Selon toute vraisemblance. Que va-t-il nous jouer? Courbe bestiale. Là, ouais, il va aller dans... Ouais, c'est ça. Vu qu'il n'a pas d'autre solution pour gagner, il est obligé d'aller dans la tête. Là, j'ai combien de dégâts? J'ai 4, 7, 9, j'ai 10 points de dégâts. Il a 11... points de vie. Il ne peut pas encore le tuer. Hop. Là, on va dans la tête. Et à un PV. Et on attend la concession imminente de l'adversaire. Vu que là, j'ai 14 points de vie et je ne pense pas qu'il puisse me faire 14 points de vie en un tour avec une carte. Et surtout avec une 8-8 teinte sur le board. Donc voilà. Alors, qu'a-t-il pioché? Oh, faut voler en plus. La carte la plus forte du jeu. Donc voilà. Donc c'est une deuxième victoire dans ce bras de fer. En plus avec la puissance du fauve. Hop, on a tout serviteur plus 1. On a fini pouvoir héroïque. Et voilà, du coup, c'était Trimano pour le bras de fer de la semaine. Et retrouvez Ivason Studio sur Twitter, sur YouTube, sur Steam, sur Facebook et bien plus encore. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer.